Oui, pour être honnête avec vous, c'est un peu lassant, mais c'est un peu l'histoire de toute ma carrière, je dirais, de ces dernières années. On m'a toujours remis en question. Même si moi, je considère le foot comme un éternel recommencement, il y a des fois où c'est un peu usant, un peu lassant à force, ouais, étant donné qu'on fait le boulot sur le terrain. Mais ça m'aide aussi à rester alerte et à rester concentré sur ce que j'ai à faire. J'ai encore 2 ans, 3 ans de contrat à Arsenal, encore une fois. Donc mon avenir est pour l'instant Arsenal. Je m'y sens bien. J'ai envie de gagner la première ligue avec Arsenal. C'est un objectif qui est toujours là. Après, je ne sais pas de quoi le futur proche sera fait. Il faudra composer avec le mercato estival. Discussion encore avec le coach. Mais il compte sur moi, il a confiance en moi, même si c'est vrai que cette année j'ai eu un temps de jeu limité. Je ne me pose pas plus de questions que ça sur ma cote de popularité. Mon objectif, c'est de marquer, voilà, d'aider l'équipe de France à atteindre ses objectifs. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Donc je suis content pour moi, pour l'équipe, et je regarde vers l'avant. Ben oui, forcément, un attaquant, on le juge par son efficacité. Ce qu'il apporte au collectif, son implication dans le jeu, mais aussi son efficacité. Donc voilà, il est là pour finir les actions, le bon travail de l'équipe. C'est ce que je m'efforce à faire comme à Rennes. On a fait des très beaux mouvements et puis je suis à l'arrivée et je dois la mettre au fond. Je le fais et oui, j'ai un bon ratio et j'espère bien grimper encore dans la hiérarchie. Bah pour être appelé en équipe de France, il faut faire le boulot en club. Même si j'ai eu un temps de jeu limité, pardon, en club, j'ai le deuxième meilleur ratio en tant que temps de jeu but marqué. Donc les stats sont là. Et donc oui, il faut être bon en club pour après avoir du crédit quand tu arrives en équipe de France. Mais il faut aussi être bon en équipe de France et éprouver. Donc à chaque fois que tu es appelé, ce que j'essaie de faire. Voilà, mon objectif, c'est d'apporter le meilleur pour l'équipe et après l'opinion, bah,